Oui, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien. Oui, je reviens avec une petite vidéo. Vous allez me dire, ah, enfin. Oui, avec le boulot, j'ai pas eu trop le temps. Donc, je reviens vers vous pour les défis de juin. J'ai reçu celui-là de Sandrine. Merci Sandrine. Et puis en plus de ça, elle a fait une enveloppe absolument magnifique, hein. Donc, moi, je suis super contente de vos magnifiques créations. Voilà, j'ai eu droit à un Miss sublimissime. Plus soleil que ça, super beau. Avec petite pochette faite maison, hein, je vais vous montrer quand même. Voilà. Ah, bah, tiens. Il y a une étoile qui s'est fait la malle. Et je vais vous montrer ces deux petites ATC qu'elle m'a faites. Alors, voici une comme ceci. Voilà. Et l'autre. Oui, voilà. Donc, entre-temps, bon, il y a eu pas mal de petites choses familiales. Donc, j'ai pas pu faire de vidéo, le boulot, etc. Donc, je vous montre enfin les deux premiers défis que j'ai reçus. Voilà. Merci Sandrine. Et j'en ai reçu un autre aussi cette semaine. Alors, c'est celui de Marie-Rose. Alors, Marie-Rose, elle m'a offert pas mal de choses. Je te remercie d'ailleurs, hein, si tu... quand tu passeras par là pour voir la vidéo. Et ton enveloppe est arrivée en un seul morceau, hein, faut pas... Il n'y a pas eu de problème. C'est pas comme... Mais... Ah bah attendez, à propos. Non, je finis ça, après je vous ferai voir mes petits achats pour mon anniversaire. C'était jeudi d'ailleurs. Oui, donc Marie-Rose, elle m'a fait des petits embossages avec des classeurs de gaufrage. Comme ça. Elle m'en a fait un autre avec des petites étoiles comme ça. Avec un autre cas pareil, mais en rose. Ils sont magnifiques, Marie-Rose, tes classeurs de gaufrage. Ils sont vraiment très beaux. Hein. Ça, sur une carte, c'est magnifique, quoi. Voilà, je vous le montre comme ça. Comme ça, vous le verrez mieux. Voilà, comme ça. C'est vrai, vous collez ça sur une carte, vous mettez votre sentiment au milieu, là, ça fait un truc super bon. Ensuite, elle m'a envoyé aussi des petites découpes. Bon, j'ai pas eu le temps de tout regarder parce que, comme je vous le disais, il y a eu un événement dans ma famille la semaine dernière, il y a 15 jours. Donc, voilà, mais c'est tous les petits chats, des petites biches, enfin. Attendez, je vais quand même vous en montrer quelques-uns. Hein. Je vais pas. Alors, ça fait des petits chats, des petites biches, des petits. Enfin, c'est tellement petit que. Attendez, je vais vous montrer ça. Ça, c'est trop beau. C'est une petite biche sublimissime. Ça, c'est un petit chat. Et elle en a fait plein, plein, plein. Alors, attendez, que j'arrive à y attraper. Alors. Voilà, c'est tout sorti. Donc, vous avez des petits chats. Attendez, je vous le montre. C'est que c'est tout petit comme ça. Vous en avez un qui est couché comme ça. Ah, ils sont vraiment très beaux, tes petits chats, Marie-Rose. Hein, merci. Hein. En plus, j'aime beaucoup les chats. Et en plus, ils sont très jolis. Je vous montre pas tout parce que c'est... extrêmement fin, donc je veux pas y, comment dirais-je, y déchirer quoi. Voilà, donc je vais bien ramasser tout ça dans le petit sachet et je vais vous montrer la suite. Voilà. Ah, mais tenez, un autre petit. Un petit morceau de papier gaufré avec le même classeur de gaufrage que le bleu. Et puis, elle m'a offert aussi des petits embellissements comme ça.
Voilà. Et elle a offert aussi des petites découpes. Alors, bon, je vais pas tout sortir parce que comme vous le voyez, hein, c'est un petit sachet, il y a plein de choses dedans. Je reconnais la découpe du die timbre. Donc, vous savez, les grands die de chez Action. Tiens, d'ailleurs, Sandrine, je te remercie de m'avoir pris les die ronds de la mer et du renard. Parce que ma soeur et moi, on a regardé à Action ces derniers jours. C'est toujours les mêmes, quoi. C'est un truc de... Enfin bon. Quant au bloc 30-30, j'ai quand même réussi à trouver le Wonderful. Attendez que je vous fasse voir parce que j'ai fait une petite créa avec. Donc c'est un papier qui a ces motifs là avec les bandes, qui a ces petits motifs là, les étiquettes comme ça. Ça c'est une petite carte que j'avais fait, là. Ça se fait comme ça. Normalement c'est pas si grand, mais moi je vais faire mode un peu plus grand. Donc le papier Wonderful, il a des petits motifs comme ça. C'est des petits drapeaux, vous savez, pour les cartes pour les anniversaires, ça va très bien. Vous voyez, là, ça fait plein d'emojis avec des gâteaux, des smileys, des glaces. Enfin, c'est un bloc qui est super beau, quoi. Ensuite, je vais vous montrer quelques petites découpes qu'elle m'a envoyées parce que c'est tellement fin. Il y a des cadres. Attendez, je vais vous en montrer un petit peu hein, quand même. Je vais pas. Alors, vous avez. Voilà, c'est de là. Marie-Rose, merci. Hein, c'est super sympa. Vous avez ça. Un petit timbre tout petit. Ça, c'est le die timbre. Vous savez, les grands die là, rectangulaires qu'ils ont fait chez Action il y a quelques temps, le mois dernier, je crois. Il y a ça. C'est de là. Voilà. Hop. Voilà, vous avez un petit soleil qu'on a aujourd'hui, c'est vachement bien. Parce que j'attends des camarades là pour fêter mon anniversaire. Voilà ça, comme ça. Et comme j'ai quelques minutes devant moi, puisque j'ai préparé la table et tout. Donc voilà. Alors, je vous montre un petit peu comme ça. Voilà, ils sont roses. Avec un papier, je crois que c'est du bloc black and white, botanique black and white, le 4 comme ça. Ça y a un peu ce genre là dessus, à l'intérieur du bloc, qui est très joli d'ailleurs. Et ça c'est deux petits cercles, un moyen et un peu plus grand en rose. Voilà, l'ovale c'est la découpe, ça c'est un petit feuillage. Je vous montre le petit et le grand. Voilà. C'est beau, c'est fin. Ils sont très beaux, tes découpes feuillages. Elles sont très belles, pardon. Excusez-moi. C'est la chaleur. Un petit timbre comme ça, avec un papier tout fleuri. Ah, c'est beau, ça. C'est magnifique. Ah, c'est une découpe papillon qui est juste sublimissime. Ça, c'est un petit carré. Attendez, je vais vous mettre la découpe un petit peu dessus comme ça. Voilà. Voilà. Elle est belle. Hein. C'est fin, c'est beau. J'avais pas trop pris le temps de les regarder parce que bon, c'est arrivé à midi et quelques à la maison. Je finis à midi et demi. Temps d'arriver, de manger. Ouh, toujours à la course. Il n'y a que le week-end qu'on a le temps. C'est ça qui est bien. Un petit timbre comme ça. C'est vrai que la semaine, il faut toujours speeder. Le petit cadre. Assez chouette, assez très joli. Merci Marie-Rose hein, pour tout. Hein, c'est super sympa. Hein. Je te remercie vraiment beaucoup. Hein. Elle m'a encore offert des petits cadres comme ça. Attendez, je vous montre ça à l'endroit quand même. Parce que il y en a qui vont dire, ah oui, on y avait à l'envers. Voilà. Bon, c'est bon, je vais aller chercher une amie à 3h, donc je me presse un petit peu. Un petit cadre comme ça. C'est la découpe des timbres, moi, du grand die, quoi. Ils sont super jolis, ces die. Je ne me suis pas encore servi, d'ailleurs. Ah oui, les die ronds, là, qui sont sortis, là.
Le grand là comme ça avec le... Voilà. Hop. Marie-Rose, je te remercie beaucoup, hein, c'est super sympa. Elles sont très jolies, toutes tes petites découpes. Là, c'est très gentil. Je te remercie beaucoup. Et j'ai bien reçu ton défi. Hein, donc, tu seras numéro 2. Moi, j'étais super contente au mois d'octobre pour le défi d'Halloween. J'en ai reçu plein, plein, plein. Et c'était super sympa, quoi. Et c'est vrai que vous faites de très belles créas, hein. Franchement, super, quoi. Moi, je suis très contente. Hein. Toi, hein. Excusez-moi pour le bruit, hein. Il y en a que ça peut gêner. Hein. Voilà, hop. Et enfin, son défi. C'est bien emballé. Ah oui, l'enveloppe, comme je vous disais, est arrivée sans problème. Elle n'avait pas de trou, rien du tout, parce que avant-hier, je suis allée à mon point mondial relais pour récupérer mes colis de raison créative. Et là, il y avait, là, vous savez, les cartons en boîte, la rectangulaire. Et ben, la première boîte était nickel, et l'autre, elle avait été un peu déchirée sur le dessus. Donc, j'ai dit, oula, j'espère. Que c'est pas des qui manque rien, vraiment il manque rien. Ah ouais, c'est très beau. Attendez, excusez-moi, je lis mon petit mot. Je vais vous faire voir quand même la magnifique création de Marie-Rose. Ça, c'est le dial d'action avec un fond bleu et c'est très très beau. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est très très beau. On se croirait au fond de l'océan tellement que c'est beau. Bon, je vais mon petit mot. Ah oui, ça me fait bien plaisir, tes scraps bidules. Oui. Merci, merci. Voilà. Merci, Marie-Rose, c'est très gentil. Voilà, je m'excuse un peu pour le retard, là, pour les vidéos. Donc, eh ben, j'ai reçu 2 participations. J'espère en recevoir plein d'autres. Si vous avez tout le mois de juin pour m'envoyer vos belles créas, hein. Y a, voilà. Comme je l'ai déjà dit, sous n'importe quel format, il n'y a aucun souci. Vous pouvez m'envoyer une carte, une ATC, une petite chose comme je vous ai montré avec le papier, voilà. Wonderful, comme ça, vous savez, là, un petit truc. Voilà, ce que vous voulez, il y a vraiment... J'impose aucun format, vous faites comme vous voulez. Et pour celle qui gagnera, j'ai acheté ce matin le die comme ça, rond, à action. Alors, c'est la... Attendez, je vais vous faire voir le dessin, voilà. C'est la caravane avec la toile de tente, donc il sera à gagner. Donc je pense que je tirerai peut-être bien en fonction du nombre de personnes. Si j'ai beaucoup de monde, je tirerai au sort 3 gagnantes, je pense, 3 ou 4 gagnantes. Et l'une d'entre vous gagnera ce petit die. Voilà, ça sera un petit cadeau pour vous. Voilà, et pour en venir à mon anniversaire... je me suis commandé, je sais pas si vous les avez vus, sur le site d'Ephéméria et Horizon Créative, j'ai commandé les nouveaux tampons d'Olen Créate. Oui, parce que je les ai tamponnés, il faut dire. Donc. Alors, ah ouais, mais bon, c'est bien beau. Alors, j'ai commandé celui-là, voilà. Alors ça, vous avez la photo du tampon. Et ça, c'est la découpe. Attends, je vous y montre un peu plus près. Voilà. Et au dos, vous avez le personnage, le nom, quelques phrases en anglais et le symbole. Voilà, il est là, le symbole. Hein. Je l'avais tamponné. Voilà. J'ai commandé celui-là. Attendez, je vais enlever les découpes parce que
Parce que là, on n'allait pas voir grand chose avec les découpes, avec les tamponnages. Et ah oui, je vous disais, pour le die round là, de chez Action, là, ma soeur, elle a tamponné là, celui de la mère. Elle a eu un mal fou à arriver à y découper. Et pourtant, elle a la big shot. Hein. Alors, je ne sais pas si vous, vous avez le même problème ou pas, mais je garantis que ma soeur, elle m'a dit, c'est quelque chose. Hein. Alors, attendez. J'ai eu un petit problème technique. Voilà. Voilà le tampon comme ça. Voilà. Donc, je vous demande un peu plus près. Voilà. Alors ça, c'est tout ce qui est pays Afrique. Alors j'ai fait le petit tamponnage comme ça. Voilà. Et les peaux. Voilà. Je vais remettre mes tamponnages blancs parce que je voulais les coloriser. Donc. Et puis je me suis offert aussi quelques Derwent Lightfast au géant des beaux-arts pour mon anniversaire. Donc celui-là, je l'ai commandé. Voilà, sur Horizon Creative. Voilà, celui-là. Par contre, je ne l'ai pas tamponné. Je l'ai reçu hier, celui-là. Non, pas hier, avant-hier. Ensuite, hier, j'ai reçu mes petits crayons. Alors, le géant des beaux-arts, il m'a envoyé mes crayons dans une boîte comme ça, dans un grand carton, une boîte assez très moyenne, quoi. J'ai commandé des Light Fast et des Pablo. Voilà. Alors, les Derwent Light Fast, c'est ça. J'en ai pris 7, 8 et 2 Pablo. Voilà. Mais bon, comme c'est des crayons qui valent une certaine somme, j'en ai pas pris beaucoup. Alors, ils sont à 3,45 le crayon, j'en ai beaux-arts si vous voulez. Et j'avais envie de me faire un petit cadeau. Voilà. Je pense que je vous ai tout montré. Voilà. Bon, en attendant, et ben, j'ai hâte de continuer de recevoir vos magnifiques créations. Hein. Et comme je vous dis, il n'y a pas de prise de tête. Hein. Vous faites le format que vous voulez. Il n'y a aucun souci. Et pour les personnes qui veulent participer, je remettrai mon adresse mail en dessous de la vidéo pour que vous puissiez m'envoyer un mail pour me demander mon adresse. Voilà, si vous souhaitez participer. Et même si je reçois début juillet certaines participations, elles seront prises en compte quand même. Je tiens quand même à le dire. Hein. Voilà, vous inquiétez pas, elle sera prise en compte. Même si vous l'envoyez le 3 juillet, que je la reçois le 3 juillet, elle sera prise en compte. Hein, il n'y a pas de souci. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Et bien, en attendant, moi, je vais vous faire des gros bisous. Profitez bien du soleil. Pour ceux qui ont la chance d'habiter au bord de la mer, eh ben, bonne baignade si vous avez l'occasion d'y aller. Pour les autres, eh ben, restez bien au frais. Moi, je vais aller chercher ma copinette. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye bye!